Et bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Joris TV, les actualités du serveur de la MC4 Team. Aujourd'hui au programme, c'est l'inauguration du serveur, bien entendu. Car aujourd'hui, ce 21 février 2016, le serveur MC4 Team MVO5 a enfin été ouvert au public. Le stream est vite parti en steak avec la bannière brûlée et des explosions, mais la situation est sous contrôle. Pour preuve, les admins sont terrés dans le studio en attendant que tout se passe, donc c'est qu'on contrôle la situation. Nous rappelons à tous les nouveaux arrivants qu'ils doivent déposer une candidature, dont le lien sera dans la description, et qu'ils ne doivent ni griffer, ni faire les imbéciles, sinon on va tous les kicker comme ceux qui sont en train de faire n'importe quoi dehors. Je suis caméraman, je suis en train de manger derrière la caméra. Je me dois de mettre n'importe quoi derrière le fond vert. Non, pas ça, Sylvain, tu n'as pas osé. T'es censé rester derrière le micro, toi d'ailleurs, hein, si je puis me permettre. Sinon, les gens, ils t'entendent pas, normalement. On s'en fiche des lois de la physique. Mais qu'y a-t-il d'autre comme actualité, aujourd'hui? J'essaie de faire une maison. Voilà. Spiritus Wolfis veut passer une annonce. Spiritus Wolfis veut passer une annonce à tous les habitants du serveur. Il recherche activement du bois de sapin. Donc, si vous avez du bois de sapin à lui donner, vous pouvez. En échange, il sera sur votre habit de vous donner des litres et des litres de poisson. Parce qu'apparemment il a que ça. Ainsi que du blé en masse aussi, si vous voulez. Fanax, n'oublie pas l'abri Joris, putain, faut faire de la pub pour ça aussi. Mais oui, bien sûr. Car c'est évidemment, chers nouveaux arrivés, vous n'avez peut-être pas de maison, vous êtes soumis aux aléas de la vie, non, en fait, des creepers et des squelettes. Vous pouvez vous réfugier. Merci. Vous pouvez vous réfugier dans l'abri Joris, le caméo de nouvel hôtel du serveur MC4 Team. C'est l'abri Joris et maintenu par TheCreepy31. Il vous donnera tous les détails ici même. TheCreepy31, je vous laisse la parole. Ah, salut, bon, je m'accroche comme ça. Alors, dans la brisorie, c'est ridicule. Je lance TP. Voilà. Deux secondes. Je change mes vêtements en public. On me voit toujours, hein. Vous avez rien vu. Bon, bref, en gros. En gros, alors, dans la brisorie, vous pourrez retrouver chacun une chambre avec un coffre, avec un double coffre pour ranger tous vos items, un four pour cuire de l'or et un lit pour faire un point de spawn. Vous avez aussi à votre disposition une carrière et un champ. Voilà. Et aussi une table d'enchant. Vous avez tout pour vivre. Tajov, c'est super sympa, mais voilà. Voilà, c'est la fin de mon annonce. J'espère que vous viendrez beaucoup dans mon abri. Je peux c'est notamment gratuit. Fournir du si, pain bah, à vos tous amis, ceux qui allez, au revoir. Et donc, voilà. Voilà donc pour l'annonce de la brise. Oui, on t'entend. N'oubliez pas de jamais jeter un coup d'œil. Et oh, nous avons quelqu'un en direct. Bon, mais il est parti. Oui, notre envoyé spécial. Oui, notre envoyé spécial est certainement en train d'être brûlé par les Kikou, mais ne vous inquiétez pas, nous allons rétablir la situation très prochainement. Sauf qu'entre temps, on a dû résoudre 3 affaires de griffes et pas mal d'affaires de vol dans les coffres, on a dû ban 3 personnes. Donc s'il vous plaît, montrez-vous un peu plus respectueux. Si vous avez des soucis, allez dans le forum tribunal du serveur Discord, de toutes les informations dans la vidéo précédemment sortie. Essayez d'être un peu plus respectueux. Une autre MC4 TV en parlera un peu plus en profondeur. Eh bien écoutez, c'est tout pour l'instant. Alors merci d'avoir regardé ce bulletin d'information. Et au revoir, à bientôt. À la prochaine. Il n'y a pas un zid dans ce studio. Viens, éteins la lumière.